valses se sont toutes passées. Les robes fendues tendues au grenier, les filles en moto prêtes à démarrer. Je vais pouvoir peinard garder la télé, écrire des bouquins, me mettre à chanter. Le peintre a fini de déménager, ses tubes, ses fusains, je les ai rangés. La maison est prête, tout est installé. Je vais pouvoir peinard garder la télé, écrire des bouquins, me mettre à chanter. Comment l'idée de votre premier livre vous est-elle venue ? L'idée de mon premier, du tout premier que j'ai écrit, vous voulez dire ? Oui, du premier que vous avez écrit. Je sais pas, c'est difficile ça comme question. Comment s'appelait-il ? Comme tout le monde. Je crois que j'ai toujours plus ou moins eu envie d'écrire et puis j'osais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup lu. J'aime les beaux livres et que je pensais que j'en étais absolument incapable. Combien en avez-vous écrit ? 10, 9, 10. Ça va être le 10e celui-là, je crois. C'est le 10e. Mmh. Comment s'appelle-t-il ? C'est la seule chose que je ne sais pas. C'est l'horreur. C'est très rare d'ailleurs, parce qu'en général, je trouve facilement des titres, et là, je n'arrive pas à trouver. C'est un roman ou une autobiographie ? C'est un roman. Un roman. Ah non, l'autobiographie, j'ai déjà donné. C'est... Est-ce que vous vous souvenez de vous quand vous étiez petite fille ? Quel est votre premier souvenir ? J'ai des souvenirs heureux jusqu'à 7-8 ans. Alors cela, je m'en souviens parce que j'aime bien y penser. Est-ce que vous viviez dans une grande maison comme celle-ci ? Je vivais en partie à Paris avec ma mère, mais je vivais beaucoup chez mes grands-parents, qui avaient une maison effectivement qui était assez proche de celle-ci, au-dessus de Cannes. Depuis que je suis revenue ici, j'ai un peu l'impression de remettre mes pas dans les pas de l'enfance. Et où alliez-vous à l'école ? Comment ça se passait-il ? J'ai pas été beaucoup à l'école quand j'étais petite. Et puis après, pendant la guerre, j'allais en classe à Cannes. J'habitais à un très joli village qui s'appelait Auribeau, où ça ressemblait aussi à ici. C'était pendant la guerre, c'était pas très agréable. Enfin, il y avait quand même des cigales. Pas grand-chose à manger, mais on se débrouillait. Comment vous voyez-vous à ce moment-là, si vous réfléchissez à 2 minutes ? Oui, enfin, ma mère est morte un peu brutalement, puisqu'elle s'est suicidée. Et je me suis installé dans une gouttière. Et puis voilà, puis Bernard m'a ramassé dans la gouttière. Vous n'étiez pas dans... C'était pas une gouttière, c'était un arbre, hein. Vous racontez que c'est un arbre. Oui, enfin, il y a eu des arbres. La gouttière étant le côté sauvage, si vous voulez. Oui. Et comment êtes-vous venu du Midi à Paris ? Comment êtes-vous monté à Paris, Je suis monté parce que j'avais quand même un père qui s'est pas beaucoup occupé de moi, mais enfin qui existait. Et quand il est revenu après la guerre, il m'a demandé de le rejoindre. Donc c'était logique, on s'est pas très bien entendu, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est là que j'ai atterri à Saint-Germain-des-Prés. Mais de toute façon, je pense que je serais revenu à Paris. Non, non, il était intelligent. Après, on est devenus très amis, d'ailleurs, par la suite. Non, c'était un type bien, c'était un mauvais père. C'est pas donné à tout le monde d'être un bon père, je veux dire. On n'est pas avec, c'est pas parce qu'on a fait un enfant à une dame qu'on sait s'en occuper. Mais après, une fois que j'étais même marié, on s'est revus et ça allait bien. Alors, pendant tout ce temps-là, vous habitiez chez l'un, chez l'autre ? J'habitais à Saint-Germain-des-Prés. Enfin, c'est grand, Saint-Germain-des-Prés. J'ai habité plein d'endroits. J'ai habité à l'hôtel de la Louisiane, c'était très chouette, ça. Les chambres étaient rondes. Il y avait Simone de Beauvoir, je me souviens, à l'hôtel. Il y avait Gréco, il y avait plein de gens, Casalis. C'était un peu bruyant à cause du marché en bas. Enfin. J'ai habité au Montana, on changeait d'hôtel, on essayait d'en trouver des pas trop chers. On passait un peu quelquefois à quatre pattes, pas que le concierge nous voit parce qu'on ne pouvait pas payer, mais ça, c'était assez gai, ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une grande différence entre la vie des adolescents de cette époque et la vie des adolescents d'aujourd'hui ? Oh, il y a une énorme différence. Nous, moi, je considère qu'on nous a volé notre adolescence. Pourquoi voler ?
Bon, il y avait la guerre, déjà, la guerre était dégueulasse, la libération était dégueulasse, tout était mieux. On avait des choses laides, hein, de la délation. Je parle pas des bombes, ça on se rend pas compte à cet âge-là. On croit toujours que c'est pour les autres. Non, mais on a eu une vision des adultes, c'est un peu plaisant. C'est pas très joli. Oui, c'est vrai, mais... Moi, je me souviens, dans ma naïveté, le débarquement, c'était très beau, j'étais dans le Midi, c'était superbe. Je me disais, les Américains arrivent. Je voyais ça comme dans les films. Et puis, c'était pas joli non plus, je peux vous dire, que les règlements de compte à la Libération, c'était pareil qu'avant. C'était plus les mêmes qui trinquaient. Enfin, on se débarrassait de l'avant de sa femme, de tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les gens régler leurs petites affaires personnelles. Oui, je vois très bien. Non, maintenant les enfants, les adolescents, d'abord ils ont une vie beaucoup plus ouverte qu'on avait nous, ils sont beaucoup plus... Non, moi j'aimerais bien, moi, avoir 15 ans maintenant. Comment avez-vous rencontré Bernard? Ouais, un peu par hasard, à vrai dire. J'étais à Saint-Tropez, c'était au mois de mai. Et j'écrivais mon premier livre. Et j'avais un ami photographe qui s'appelle Luc Fournol qui m'avait demandé de faire des photos pour lui, pour son journal. Et moi, j'étais ravi parce que, comme j'écrivais et que je chantais plus, j'avais pas beaucoup de sous. Ça me faisait gagner de l'argent. Et je lui servais donc de mannequin. Puis un autre garçon, qui est encore très, très... Un autre bon ami, qui s'appelle Jean-Paul Faure, partait pour Paris. Alors, je suis descendu sur cette terrasse de la Ponche pour dire au revoir à Jean-Paul. Et Luc était là. Et il y avait, c'était encore les très vieilles maisons, maintenant cette maison est devenue un café. Il y avait une très vieille dame qui nous regardait comme ça, le nez collé à la vitre. Elle devait trouver qu'on était une faune bizarre, enfin, elle avait l'air méchant. Et Luc m'a dit, est-ce que ça t'ennuierait, je vais te présenter un garçon, je trouve que, tu veux peut-être t'asseoir avec lui, je fais une photo de vous deux. Et le garçon, c'était Bernard Buffet. Et c'est drôle, parce que sur cette photo, que j'ai d'ailleurs là sur mon bureau, on a vraiment l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Excusez-moi. Allô? Oui? Ne quittez pas. Et puis un jour, Bernard m'a téléphoné. Parce qu'il m'a fait la cour assez longtemps. Il venait, on faisait ça en cachette de tout le monde, parce que d'abord on n'appartenait pas aux mêmes bandes. On a un peu joué Roméo et Juliette dans notre genre. Et puis un jour il m'a téléphoné. À quelle bande appartenait-il? Ben, moi, mon groupe c'était Saint-Germain-des-Prés. Bernard a jamais été à Saint-Germain-des-Prés. Puis un jour il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, on se retrouve dans 2 heures et on va vivre ensemble. Et tu viens sans rien. C'est ce que j'ai fait. Enfin, si j'avais un 7 heures, je l'emmenais. C'est tout, puis voilà. Il nous a fait la cour assez longtemps quand même. Oui. Combien de temps? Oh, presque un mois, je crois. Faisait-il ou apportait-il des fleurs, des choses comme ça? Non, non, mais il habitait Aix, il venait me voir tous les soirs à Saint-Tropez, il rentrait travailler après, je vais vous dire, c'est sportif, hein. Il faut être amoureux. Et puis voilà, puis on est partis. Et où avez-vous habité? Des gentils camarades nous donnaient 6 mois, ça fait 30 ans que ça dure. Et la vie de couple, vous avez quand même traversé de grosses difficultés, mais ensemble, je veux dire... Vous avez cessé de boire et tout ça, vous l'avez fait toujours ensemble? Non, pas tout à fait. Enfin, on fait tout ensemble. C'est Bernard qui a commencé. C'est Bernard qui a commencé. Moi, j'ai suivi. C'est un peu dur pour faire ça à deux. Il vaut mieux qu'il y en ait un qui reste gay pendant que l'autre est moi. C'est pas très amusant à faire. C'est avant cette expérience que vous avez. Que vous êtes remonté sur les planches, enfin que vous avez recommencé à chanter, ou après? Ah non, ben je buvais encore, ça a remonté sur les planches avec un verre d'eau, jamais. Non. Mais je crois pas que j'étais très bien dans ma... Enfin, c'est pas une chose pour moi, je crois. Je sais pas si je suis soumise, mais je crois que j'ai peut-être besoin d'être protégée. Est-ce que je n'étais pas? Parce que dans les variétés, on est au contraire plutôt sur la brèche. Oui, au début, vous étiez contente de retrouver la musique, tout ça, les bravos. Oui, ça, j'aime ça. Puis ça n'a pas duré. Enfin, ça, finalement, je veux dire, pourquoi le faire professionnellement?
J'ai plein d'amis dans ce métier. Si tout d'un coup j'ai envie de chanter pour m'amuser, pourquoi j'irais pas le faire? Mais je ne suis pas contraire aux apparences, je suis très professionnel, je trouve. Alors où on fait les choses vraiment bien ou on ne les fait pas. Et j'aime pas assez ça pour le faire vraiment bien, c'est ça que je veux dire. Je n'aime pas assez la chanson pour renoncer à tout ce à quoi je devrais renoncer pour que ça marche. La pluie qui chante et lave le visage, les champs labourés, riches et gras. Le grand cri fou des mouettes sur la plage, un homme qui rit et tend les bras. C'est ça la chance, c'est ça le bonheur. Nos amours dansent au fil des heures. C'est ça la chance, c'est ça le bonheur. Rêve d'enfance, amours en fleurs. Le rire moqueur et gai d'un bel enfant. L'odeur du pain chaud le matin. Un corps qui lutte et puis qui se défend. Et s'abandonne entre tes mains. C'est ça la chance, c'est ça le bonheur. Nos amours dansent au fil des heures. C'est ça la chance, c'est ça le bonheur. Rêve d'enfance, amours en fleurs. Une main douce effaçant une larme, un regard tendre mais sans pitié, un ennemi qui soudain vous désarme, et cette merveille qu'est l'amitié. C'est ça la chance, c'est ça le bonheur. Nos amours dansent au fil des heures. C'est ça la chance, c'est ça le bonheur. Rêve d'enfance, amours en fleurs.